Je suis avec ma Charlotte, petite journée. Où sont nos enfants? Des enfants. Où sont c'est nos la enfants récré, là. La récré. Voilà, la récréation. Ils sont là, en train d'essayer d'allumer un cigare, parce qu'il a tellement jamais fumé un cigare qu'il fait que tousser et s'étouffer. On nous, on a faim depuis tout à l'heure. On sort plus. Où sont nos enfants? Des enfants. Où sont c'est nos enfants récré, là. La récré. Voilà, la récréation. Ils sont là, en train d'essayer d'allumer un cigare, parce qu'il a tellement jamais fumé un cigare qu'il fait que tousser et s'étouffer. On a faim depuis tout à l'heure. On sort plus. Coucou tout le monde, bon il est assez tôt, 8h30, 9h, 9h, ouais, je suis un peu en retard. Réveil assez piquant ce matin, je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard. Et je devais rentrer hier soir de Monaco vers très tôt, on devait rentrer même en fin d'après-midi, préparer mes cheveux, voilà, parce que de base je voulais arriver les cheveux lisses. Donc la veille, les brushingés, blablabla, donc en gros une heure, sauf que vu qu'on est arrivé tard, en plus de ça, mon sèche-cheveux, si je m'étais brushingé les cheveux cette nuit, il aurait réveillé toute la maison. C'est le Dyson là, il fait une tonne de bruit, il est trop efficace, mais il fait une tonne de bruit. Et pareil ce matin, bah, je me suis réveillée du coup à 8h, un peu plus tôt, toute la maison dormait. Voilà, en ce moment on est un peu en horaire de la Méditerranée, on dîne tard, on se couche tard, on se lève tard, même les enfants se lèvent à 10h généralement. Thiago 9h30, 10h et Angelina 10h, 10h30. Donc du coup j'ai dû m'éclipser sur la pointe des pieds, pas faire de bruit du tout dans la maison. Et je vais voir si je peux me laver des cheveux sur place ou sinon c'est pas grave, je vais mettre un coup de brosse. De toute façon là où je vais faire le shooting, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. En tout cas bonne matinée, je suis ravie. Je disais je suis ravie puisque là je rejoins déjà ma photographe préférée Mandy, juste trop forte, et deux mannequins de folie, donc voilà, top, ça va être chouette. Je vous présente la jolie Mars. Coucou ma chérie, ça va? Oui. Les maillots lui vont trop bien, elle a un corps, montre-nous un peu. Regardez comment elle pose. Trop belle. Et là, on a la belle Barbara. Romain, voilà, il est trop gentil. C'est notre ami de longue date avec Jus. Et merci de nous accueillir au Sunset Beach. On est toujours aussi bien accueillis. Et on va revenir cet été parce que quoi? Pardon, pour le gaza. Tu vas rester par là. Ouais, mais... Bah, tu vas faire des bonnes après-midi, événements DJ. De mercredi au dimanche. Ça va être trop bien. Regardez le lieu comme il est juste extraordinaire. C'est trop stylé, trop stylé. Un grand merci à mes modèles déjà. Merci ma chérie, t'as été parfaite. Toi aussi. Toi aussi ma chérie, t'as été parfaite. En tout cas, merci Romain, accueil au top. Nous on aime trop l'endroit. On va dire tout le temps avec Julien cet été. Et merci à ma petite puce d'amour, elle est là. Voilà. Qui dit photo, qui dit photo réussie. Chérie, tu fais que dans le sud ou partout? Non, je fais partout. Partout en France, si vous cherchez une photographe, elle m'avait déjà fait plein de photos hein, à l'époque sur mon Insta, même avec Laura à l'époque, toutes mes photos de grossesse et tout, c'était Mandy. Si vous avez besoin d'une photographe, que ce soit pour un shooting perso ou pour une marque ou même pour un mariage, elle fait beaucoup de mariages ou d'événements, contactez-la, je vous mets son Insta juste après. Allez voir, c'est juste dingue, voilà, c'est pas pour rien que je la choisis elle à chaque fois, parce que des photographes, il y en a plein, mais c'est parce que c'est la qualité. Amour, qu'est-ce que tu fais? Hein? Allez, viens, dépêche-toi. L'amour, je viens de rentrer à la maison. J'ai enfilé ma culotte Blinks. Qu'est-ce que je suis bien dedans, confortable. Petit t-shirt, je vais aller faire un gros dodo avec ma fille. En fait, je suis incapable de dormir avec autre chose qu'une culotte. Genre, je peux pas dormir avec un string ou je sais pas quoi, ça me dérange. J'ai besoin d'être dans une culotte confortable, moi, la nuit ou les siestes. Cette culotte-là, bah, c'est pas la première fois que je vous présente, c'est une culotte menstruelle. Qui vous permet du coup d'éviter de mettre tout ce qui est tampons, serviettes hygiéniques, puisque c'est pas bon pour la santé du tout. Pourquoi est-ce que les tampons et les serviettes hygiéniques c'est pas bon pour la santé? Tout simplement parce que on peut faire beaucoup plus d'infections, de mycoses, de
de cystite, même de choc toxique, c'est super grave. Tapez sur internet à chaque fois, je vous le dis, mais c'est ça. Quoi. Genre, il y a beaucoup de femmes, tous les jours, tous les mois, tout le temps, chaque année, qui font des chocs toxiques et on peut carrément tomber dans le coma ou en mourir. Donc, c'est quand même bête, je trouve, de mettre sa santé en danger. Et en plus, c'est quand même une partie vachement sensible, c'est quand même l'intimité, de faire attention. Et les culottes Blink, ça vous assure une protection allant jusqu'à 12 heures. C'est-à-dire que moi, je la porte toute la nuit quand j'ai mes périodes et j'ai pas de soucis, j'ai jamais de fuite, j'ai jamais de problème. C'est top. Voilà, c'est top. Donc faites attention à votre santé et en plus, ça vous fait gagner des sous. Parce qu'acheter la boîte de tampons familiale à plus de 5 balles, à plus de 5 euros tous les mois, bah à force, ça revient cher. La culotte, vous l'achetez, vous pouvez la garder plus de 5 ans. Vous en avez acheté plusieurs d'ailleurs, comme ça, quand il y en a une qui est au sale ou une qui sèche, vous en avez une propre. Et pour finir, vous n'avez pas. Arrête de vouloir toucher mon nombril. Arrête, j'aime pas ça, tu le sais, tu m'embêtes. Et pour finir, vous avez plein de modèles différents. Vous n'avez pas que ce modèle-là, qui est le modèle grosse dentelle, que j'adore. Et je suis en train de leur dire. Elle vous dit que c'est de la taille 36 au 54. Voilà. Non, y a vraiment beaucoup de tailles, il y a beaucoup de modèles différents. J'ai même carrément maintenant les string blinks. Donc même quand vous voulez porter un string et que vous avez vos périodes, c'est possible. Voilà. Donc il y a plein de modèles différents. Allez faire un tour sur le site. Il y en a vraiment pour tous les deux. Ouvrez bien grand vos... Mon amour de ma vie. Ouvrez bien grand vos oreilles. Puisque la dernière fois, c'était la même offre. Et vous avez été plusieurs à me dire là sur Snap en commentaire que bah, vous êtes arrivés trop tard. Donc première arrivée, première servie. Ne vous posez plus de questions. C'est super rare. J'ai moins 50% sur tout le site de Blinks pour les 150. Alors, franchement, moi ça a changé mon quotidien. Et en plus, je les mets vraiment tout le temps, ces culottes, elles sont sexy, elles sont cool, elles sont confortables. Super pratique. Mon amour. Flying kiss. Attention. Mais laissez-moi, pas de bisous. Alors là, t'as pas intérêt. Mais t'as pas intérêt. Mais laissez-moi et toi, pas de bisous, hein. Oh non. Mais je respire plus. Mais j'ai trop de bisous. Oh, il y a trop d'amour. Oh non, il y a trop d'amour. Oh non. Moi, j'amour ça. Moi, je vous aime. Oh, aïe, tu m'éclates un peu la tête, là. Aïe, mes cheveux aussi. Accessoirement, les extensions. Allez. Amour, j'ai ma maman qui est venue nous rendre visite aujourd'hui. Et elle m'a écrit il y a quelques jours, ouais, il y a 4-5 jours, quand je vous ai présenté cette paire de chaussures. Voilà. Et pourtant, je l'adore. En plus, j'ai un sac, j'ai plein de vêtements qui vont trop bien avec. En fait, j'aime plus les compenser trop haut. Ça dépend des fois. Des fois, j'aime bien être à plat comme ça. Et elle les voulait absolument. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais... Du coup, avant que les chaussures quittent la maison, je vous les remontre quand même un petit coup. C'est les nouvelles Clara Rosa que j'ai reçues. Elles sont juste trop belles. D'ailleurs, en ce moment, il y a plein de nouveautés. Il y a plein de soldes. Enfin, c'est vraiment la folie. Chez Clara Rosa, il y a des paires qui vont jusqu'à moins 50% de soldes. Et moi, j'ai un code promo supplémentaire de moins 40. Donc, vous pouvez carrément avoir des fois du moins 90. Allez faire un petit tour. Je vais vous montrer le site, là, rapide. Je devais même pas vous parler de Clara Rosa, mais bon, là, du coup, vu que je leur dis bye bye. Et elles sont trop belles. Contente ? Ouais, elles sont super belles. Regardez comme elles sont trop belles. Ah, tu m'as saoulée hein, pour les avoir. Ça, c'est mais bon, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Au pire, je vais me les reprendre. Non. Non, mais celle-là, je les donne. Je vais me les recommander. Tu permets ah, en plus, oui. Elles sont soldées. Ah, oui. Regardez, mes amours, là, je suis sur le site de Clara Rosa. Il y a même le site enfant hein, en haut à droite, comme vous pouvez voir, avec aussi de jolies promos. Et là, regardez, moins 33% sur toutes ces jolies paires. Et n'oubliez pas que j'ai moins 40% supplémentaires. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des baskets, des sandales, des talons, des compensés. Hop, il y a vraiment plein de choix. N'hésitez pas à trouver votre bonheur et à utiliser en plus mon code promo. Hein. Alors, je vous explique, à la base, je voulais faire la sieste tous les quatre avec Jules, Angelina et Thiago. J'ai trop envie de dormir deux bonnes heures. Et bah en fait, mon petit Titi, bon, là, on a Nico qui dort. Il est venu nous voir, il est KO. Et en fait, mon petit Titi, qui est là, mon amour, je peux plus l'obliger de faire la sieste parce qu'il a 4 ans maintenant. D'ailleurs, à la rentrée, quand il ira à l'école, il n'y aura plus de sieste cette année. Il faut l'habituer petit à petit à plus forcément faire la fête. La sieste, je vais y arriver. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'aujourd'hui, mon amour, vu qu'aujourd'hui, il n'a pas fait grand-chose, qu'il est resté enfermé à la maison, il ne s'est pas dépensé. Donc, il n'est pas obligé de faire la sieste. Hein, c'est vrai que tu as 4 ans. Par contre, les matins, quand on sort, qu'on va à la mer ou à la piscine et que tu es fatigué, tu feras des fois des siestes, d'accord? Ça dépend des jours.
Ok, on est d'accord. Hein? Et du coup, maman, elle dort pas. Maman, faut qu'elle te survive. Tonton, non, tonton, il est fatigué. Non, on ne peut pas surveiller un enfant en dormant. Même si maintenant, honnêtement, tu es devenu grand et que je trouve que tu es de plus en plus sage, indépendant, il faut quand même jeter un œil sur toi, même si je sais que tu fais pas beaucoup de bêtises. Du coup, bah tant pis, je ferai pas de sieste. Tu fais beaucoup de bêtises? Non, pas tant que ça. Tu fais des bêtises, mais pas des bêtises. Par exemple, il y a une heure, tu as marché sur le mur avec tes chaussures. Ça, c'est une bêtise, mais c'est pas des bêtises. T'es prudent quand même, tu vois. Tu sais ce qu'il faut pas faire. Par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui est dangereux? De casser une vitre. Par exemple. Il y a quoi d'autre qui est dangereux? L'électricité. L'électricité, mettre les doigts dans les prises. Ça, tu le fais pas. Hein? Même quand t'étais petit, tu le faisais pas. Quoi d'autre? Le plus dangereux, c'est quoi? C'est de aller dans la piscine. Marcher au bord de la piscine. Faut pas le faire. Maman va mettre une protection d'ailleurs. Ces prochains jours. Par exemple, les escaliers aussi. Ouais. Alors, on peut tomber quand même. Il faut être prudent dans les escaliers. Ah ouais, c'est toujours prudent. Ouais, c'est bien. Quand Julien est comme ça, petit bébé, il peut monter dans les escaliers. Elle n'a pas le droit toute seule. Alors ça, c'est sûr. Si tu la vois monter... Bon, par exemple, Thiago, si tu vois ta soeur monter, qu'est-ce que tu lui dis? Bon, Angina. Bon, maman. Ouais. Il y a tout le monde qui est dans ces escaliers. Qui? Non. Et si tu la vois descendre les escaliers toute seule, qu'est-ce que tu lui dis surtout? Non. Quoi d'autre? Non. Et t'appelles qui? T'appelles qui? T'appelles maman. Ah, voilà. Ok. Bon, donc voilà. Alors, le souci, par contre, qu'on a, c'est que Internet a coupé. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui disjoncte, en fait. Je sais pas c'est quelle lumière qui fait disjoncter Internet à chaque fois. Julien me dit que ça lui vient dehors, mais je crois pas. Bref, en tout cas, il n'y a que Julien qui sait remettre le disjoncte. Enfin, je sais pas ce qu'il fait à chaque fois comme manip, sauf que là, il dort avec ma fille. Du coup, on veut quand même être tranquille devant la télé. Mais le seul truc de gogol qu'il y a, c'est Gulli. Et s'il vous plaît, regardez le genre de dessin animé. Ils font que crier, dire des trucs vraiment pas terribles. L'histoire est nulle. Et c'est vraiment toute la journée pareil sur cette chaîne. Je trouve ça dingue. Qu'ils mettent pas des trucs un peu plus sympas. Je suis vraiment choquée. Donc, du coup, on est obligé de regarder ce truc. Quoi? T'aimes bien, toi? Hein? T'aimes bien? Bon, voilà, quoi. Du coup, après, Gulli. En tout cas, Gulli, si vous voyez mes snaps, je sais pas. Alors, c'est peut-être pour les ados. Je sais pas, moi, j'avais l'impression qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je regardais les mini-cum, je regardais... Je sais pas. C'était des trucs sympas, quoi. C'est tellement nul. Le soir, maman. Ah ouais. Le soir, maman. Ah, il fait que crier. Le soir, maman. Encore ?